Là où c'est pire, c'est ce côté, voilà. Voilà. Et j'ai entendu qu'il fallait... Ah ben ouais, c'est l'inverse. Tu me décales un peu, ouais. Là, je peux vérifier que dans un sens à côté de l'autre, ça ne redescend pas. Après, tu veux... ouais, il faut verrouiller, ouais. Voilà. Comme ça, si jamais, parce que là, ça tient quand même sur un système qui est plus petit, quoi. Non, si jamais ça tient, ouais, bon, le malade, il ne sert pas trop, là. Il est un peu trop vivant, là. Alors là, si tu tires ici, en gros, il faut être plus lourd que lui. Il faut tirer plus fort que lui, quoi. Non, en fait, on va rester dans une zone qu'on peut atteindre, et c'est la même personne qui va mettre les deux. Tu peux pas te mettre. Oui, non, mais là, pour l'exemple, normalement, la personne, elle est en bas. Oui, mais ça, on n'a pas besoin de les mettre sur la victime. On le met à un mètre ou deux du départ, et puis quand on arrive, on peut le redescendre régulièrement. Pour une amplitude. Alors, l'idée, c'est d'attraper la corde et de la tirer vers le haut. Donc, ça sera plus facile comme ça. Voilà. Okay. Donc, dans ce genre, on peut le tendre et dès qu'on va tirer, ça sert bien à la corde. D'accord. Et. Il ne se vient plus ? Après, on attend que la poulie. La corde. Cette corde. Mettre la corde avant. La poulie, c'est juste pour replacer le tirage dans l'axe. Non, là, c'est une moufle là, ouais, c'est une moufle. Voilà, c'est ça. Et à mon avis, c'est dans les deux pieds quand même. Tu coupes tout le monde derrière. Bah, ouais, bon, voilà. T'as les trois brutes qui tirent. Ah, ça va pas longtemps ? Bah là, c'est... Ouais, ça va. Je sais qu'on l'a ici, c'est... Il faut... Il faut vous fermer tout à chaque fois. C'était une virole, je crois. Et après, ça s'est fait facile ? Ouais, c'est bon. Là, en fait, en gros, t'as divisé ton poids par deux au niveau F1. C'est quand t'arrives là... Mets ton poids pour de vrai. Tu peux lâcher, tu peux redescendre. Voilà. Ah, quand on tire, ah, ça va, ça va, c'est plus facilement vers toi qu'en avant. Oui. Et si tu tires sur le côté, à chaque fois que tu tires, tu tires aussi cette corde-là comme ça, donc c'est pas très efficace. Donc très souvent, on vient rajouter un ici, mais c'est juste pour ton tirage, à la limite, tu vas nous. On y va là, allez, on bouge. Ah ouais, c'est toute curieuse qui est la clé. La licence. Yes, allez. Tac. On arrive. On peut descendre ? Bah ouais, pour voir, il faut aller en bas. Il y a un contrepoids qui va se mettre. Alors là, on démonte le verrouillage de la corde parce que les équipiers ont pu monter pour se balancer. Voilà. Ouais. Donc là, tu viens de en bas. Martin, qui est le contrepoids, il est en position de monter. Voilà. Ah, la seule chose, c'est que tu dois quand même garder sa grande longe longée. On va avoir beaucoup de débattements. Ça veut dire qu'il a inversé les deux longes, il a la petite longe sur la poitrine. Il est en position d'avaler le mousse parce que la civière est en tension. Il se délongera. Ouais. Et le régulateur, on va en faire la stabilité du régulateur. Le but du jeu, voilà, c'est la famille de cœur de pied aussi. Il y a le régulateur ici en haut qui aide à. Il en a pas long. Il en a pas long. Après, quand tu fais Laurent, que tu croises la civière, là ça va commencer à circuler. Oui, maintenant. Faire la civière avant. Là, on te dira. Il en a pas long. Là, tu te mets en position de fin. Alors, on a revu la salle, on a vu 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 la salle
toi, Marion. Oui, mais je suis en train. Et... Eh oui, mais quand tu vas partir, tu vas partir. Hein. Ben, je changerai les couteaux. Voilà. Ça me va bien, Marion. Mais du coup, mettons qu'il y a. Ah oui, donc là, la personne, je vais distinguer le plus maintenant. Voilà. Lui, en fait, il se balade tout le long. En principe, non. En principe, c'est souvent celui qui suit le blessé, l'accompagnateur du blessé, qui va larguer les plus largables au fur et à mesure. Parce que quand il y a une médecine, il y a toujours une ou deux personnes, ou avant, après, enfin, toujours qui suivent la civière. Et c'est l'accompagnateur de la civière qui va larguer au fur et à mesure les largables. En principe, bon, le meilleur de ça. Après, c'est celui qui est le plus près. Ça pue pas là, Marc, ça tient pas ça, hein? Ça tient pas ce caillou, hein? C'est surtout ça par la classe, on va voir la première. Hein, il sort pas tous les week-ends, ça fait 3 mois qu'on l'a pas vu, en spéléo. Non, alors. Mais il sort pas tous les week-ends. Non, mais ça fait 3 mois qu'il a rien fait, donc qu'il est dans son fauteuil, donc faut le temps que... Ça fait son machin. Est-ce que vous auriez une plaquette H, ou si ça se prend aussi, ce que t'as dans la main, pas le tout. Ah, là, tu viens là. Ça, ce soir, là. Ouais. Ça va ? Ok. Et là ? Là, on va tout tirer. On va encore le monter, gars. Oui, oui, on le montre en butée. Pas toi, avec le petit gros. La corde que tu as demandé, tu veux pas me la mettre au pied? Ouais. On a la tête. On a pas de. Allez, du monde devant là! Du monde devant! Allez, 2 km pour réceptionner!